l'association s'appelle Radio EDEC Campus. Elle est basée donc, sur le campus de l'EDEC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'EDEC, la vie associative elle est très riche. Du coup, tous les étudiants cherchent à rentrer dans les associations. Et nous, donc, on est l'association de la radio qui a créé pour la première fois cette année la radio de l'EDEC. Parce que la radio, je pense que c'est vraiment un moyen d'écouter, de s'instruire, de se renseigner. Et en même temps, on est capable de faire autre chose. On n'est pas figé, on n'est pas bloqué, on n'est pas focus sur la même chose. Donc je pense que c'est vraiment le moyen le plus général de toucher du monde. Une émission, alors déjà, il faut sélectionner l'invité. C'est primordial. Après avoir sélectionné l'invité, je diffuse aux premières années l'invité, le nom de l'invité. Je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire, les chroniques qu'ils veulent préparer. Et après, selon les chroniques, j'établis un ordre de passage. Après, on organise aussi un quiz. Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que tout le monde soit impliqué dans l'interview de l'invité. Tout le monde essaie de chercher des questions pour les invités. Et à la fin, j'essaie de les presser quand même quand on est à deux jours d'une émission et que je sais qu'il y en a qui sont en retard. Et après, normalement, le jour de l'émission, tout est prêt. Cette année, on a fait le débat de l'APNIX, qui est une association de débat à l'EDEC. On a organisé un débat ici, dans ce local, à la radio. C'était sur les écoles de commerce, le débat, c'était très intéressant. Et l'autre événement qu'on a fait, c'était on a commenté avec Paul qui est avec moi, on a commenté le derby EDEC contre Sciences Po Lille. On a commenté le foot, le basket et le hand. Et voilà, mais on veut refaire, on veut continuer à refaire des débats et encore à commenter du sport. Et qui était le grand gagnant du débat? On va dire REC, mais il n'y avait pas vraiment de gagnant pour être honnête. En fait, les artistes, ce qui est bien à REC, c'est qu'on a des goûts très hétérogènes. C'est qu'il y en a qui aiment du rap, il y en a qui aiment du rock. On essaye de faire découvrir des choses. On a parlé des tout premiers albums d'Oasis, on a parlé des premiers albums des Red Hot, on a parlé de Stupeflip aussi. On essaye vraiment de parler de vraiment tout type de musique, de tout artiste. On essaie de faire découvrir des choses. Et c'est bien aussi, on essaie aussi de diffuser des classiques. En fait, on essaie de faire plaisir le plus aux gens, mais en même temps, on essaie d'avoir une sorte de mission et on essaie de faire découvrir des sons aux gens. C'est comme ça qu'on sélectionne les artistes. Pour notre matériel, au niveau des logiciels, on utilise le logiciel Airking, qui est le logiciel qui nous permet de diffuser en direct. Et après, on a une table de mixage assez petite, je dois l'avouer, mais qui est assez utile et qui est nécessaire pour tout ce qui est branchage de micro. Le micro, pour l'instant, on n'en a que 3, mais on va investir un peu plus tard pour en acheter d'autres. On a une carte son Line 6 qui nous permet de brancher la table de mixage à mon ordinateur qui permet de diffuser en direct. Alors pour financer notre projet, en fait, on a, par rapport à la trésorerie de l'année dernière, on a eu plusieurs événements qui nous ont permis de renflouer un peu les caisses. Puis ensuite, il y a eu les dons, les cotisations, et puis le dossier a été validé par l'administration qui nous a un petit peu aidé aussi. Grâce à Radio King, du coup, on a plusieurs moyens d'écouter notre radio. Donc tout d'abord sur le site internet, il y a aussi l'application mobile, et enfin sur les réseaux sociaux, on a intégré un player, par exemple à Facebook, pour pouvoir l'écouter en même temps que naviguer sur le web. On a découvert Radio King parce que quand on a voulu monter notre propre radio, on a conclu qu'il fallait qu'on passe par un hébergeur. Du coup, on a fait une mini étude de marché avec mon colocataire et on s'est rendu compte que Radio King c'était le mieux par rapport à nos attentes. Et ensuite, on s'est rendu compte encore mieux que c'était juste à côté du campus de l'EDEC, donc ça, pour le coup, c'était vraiment bien. On l'a appliqué après. Je pense qu'il faut ne pas hésiter, il faut foncer. Si vous êtes passionné de musique, que vous avez vraiment envie de faire avancer quelque chose, c'est vraiment un projet qui est hyper prenant, qui est plaisant à faire de A à Z.
Moi, je veux dire, quand je travaille bah, pour mes cours, ça peut des fois m'embêter de travailler, le temps il passe lentement. Quand c'est pour REC et la radio, c'est passé hyper vite l'année, quand je vois comment la vitesse où elle est passée, c'est assez incroyable. Et c'est vraiment un projet très intéressant qui touche beaucoup de secteurs. Par exemple, là, nous, on est en commerce, on arrive à retrouver tout ce qui est de la trésorerie avec les entrées d'argent pour les pubs, mais aussi du marketing, de la com, du management pour gérer les équipes. Donc c'est vraiment très enrichissant de monter sa radio. Merci. Merci. Yum, yum, yum.